Allô tout le monde, c'est encore moi. Donc aujourd'hui, on va peut-être jouer à Escape from Bug Island. Je dis peut-être parce que je sais pas si je veux juste montrer le jeu ou si je veux faire un let's play de ça. Non, je pense qu'on verra là. Mais bon, un jeu, oui, là, comme vous avez dû voir. Et puis déjà là, je vais me taire parce que je voudrais qu'on regarde cette intro-là, là, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu là. Donc, je vais me taire. Maintenant. Bon ben, je sais pas pour vous, mais cette intro-là m'a vraiment pompé. Aussi le goré avec l'horrible bot mapping. C'est peut-être ou pas du sarcasme. Ok, anyway. Chacun les options qui sortent raison, là. L'affichage, c'est pour changer la luminosité, ce qui se change jamais parce qu'on est sur un émulateur. C'est bizarre comme ça. Et puis, ouais, on a des voix française, pourrait mettre en japonais si on voudrait, mais non. On va écouter les acteurs français là, parce que ça va sûrement être cool, là, je vous dis là. Enfin, je les ai pas attendus là, dans moi là. Et ouais, une nouvelle partie, puis bon ben. J'aime ça me faire chier, donc faisons ça en difficile. Bon, pis comme. Qui c'est qui va jouer avec ces contrôles-là? Bon ben oui, je sais pour les gauchers qui visent avec la main gauche, mais ça me paraît bizarre de viser avec la main droite. Comme non, de déplacer le bonhomme avec la main droite, comme pas comme d'habitude. Bon, wow. Ok, voilà notre cutscene et voilà notre héros Ray. Ouais, je me fais une autre idée du paradis. Qu'est-ce que t'en penses, Ray? Hein? Tu parlais de Michel? Si tu continues à la regarder comme ça, tu vas finir aveugle. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Je vois pas de quoi tu veux parler. Moi non plus. Et... Ça arrivait pas sur la version console. Au moins pas de ce que je me souviens. Ouais, déjà là, quality voice acting, là, c'est génial, là. Oh my god, là. Ouais, pis qu'ils sortent raison, ils veulent pas, là, comme, les faire dire ça, là. J'ai jamais trompé aucune de mes nanas. Ben ouais, Mike. Dawson. Ouais. Pis non, je vais pas dire c'est quoi ce qu'ils disent là, parce que je pense que je ferais une plus pire job qu'eux autres, là. T'as des belles dents en passant, Mike. Ouais, je me souviens.
Comme, il va juste viser pour aucune raison, là, souvent, je sais pas pourquoi, là. Pis pourquoi il apporte un shotgun, là, je sais pas, là. En fait, parce qu'il est badass, évidemment, là, il va apporter son shotgun. Et puis non, on pouvait pas la faire marcher dans l'écran, on va juste faire une coupure, là. Elle est pas mal en train de lui dire, voyons là, Mike, le soleil, non, Mike, la Terre, il tourne, tu sais. Ouais. Il tourne la Terre vite et tout, là. La tête, vite. Mais je sais pas quel âge ils sont supposés avoir, je dirais que peut-être bien des jeunes adultes. Avant, je pensais que c'était comme une trip d'école, ou ben, trip de compagnon de classe. Je sais pas, là. Je sais pas, ils ont l'air un peu nono pour être des jeunes adultes, là. Ray qui essaye d'être drôle, là. Ben. C'est un peu drôle, là. Ok, c'était bien drôle, ça et tout, là. Bon, ben, ok, commençons l'initiation. Je sais pas pourquoi on est initié, mais. Oh, wow. On est pour me préparer à. Pas. Et tuer les insectes, quoi, hein. Vise-moi pas, Mike. Et puis le jeu commence, yay. Désolé à coupure bizarre, là. Pour cette raison de jeu, je décide de laguer. Je pensais avoir checké, fait sûr avant que ça allait pas faire ça, mais. Oh well. Anyway, bon ben, ouais, phase 1 attaque. Ben, je pense que ça avait déjà un peu comment bouger, là, et la mini-carte, là, qui marche pas du tout. Mais ben ouais, let's go! Bon, ben, ok, j'avais remarqué ça la dernière fois, là, mais, ces cracks-là sont même pas texturés dans le sol. Ça en fait un modèle séparé. Regardez ses pieds, là, ça coupe. Ça, c'est quand même mal fait, ça. T'inquiète pas, il y a une raison pourquoi je voulais jouer à ça, là. Anyway, bon ben ouais, si la map serait pas buggée, on saurait où serait le bâton de l'espoir. Je sais pas. J'ai toujours voulu un truc comme ça. Quoi? J'ai toujours voulu une branche! Oh my god! C'est génial ça, j'ai jamais entendu dire ça! Parce qu'il dit des affaires lorsqu'il ramasse des affaires des fois. Voyons, Mike, qu'est-ce que tu dis là, cette branche? Non, attends. Voyons, qu'est-ce que tu dis là? Ça marche pas. Qu'est-ce que tu dis là, cette branche-là? Elle est géniale, elle est. Longue. Si vous faites une joke sexuelle de ça, c'est quoi votre problème là? Mais bon ben, regardez son épaule gauche, j'avais aussi remarqué la dernière fois, là. Là, c'est comme il bug. Je suis pas mal sûr que c'est pas supposé avoir l'air idiot comme ça. Mais bon, ok, bon ben, comme j'essaie de dire l'autre fois, là, c'est que. Parce que c'était l'un des premiers jeux, oui, évidemment qu'il fallait qu'il ait des motion control. Et non, je veux pas le refaire, c'était pas passionnant la première fois. Et puis, bon ben, fallait que je configure les contrôles sur une manette 360, là, et puis, bon ben, tu peux configurer un secouement, là, avec sur un piton, mais, bon ben, tu peux pas setter comment fort ça peut soigner, donc, mon incoincé saute. Bon ben, heureusement, on peut quitter l'initiation, mais pourquoi je l'ai faite alors? Ouais. Mais bon, espérons que j'aurai pas besoin des attaques fortes trop souvent. Là. Oui. Bon.
Anyway, on est complètement initié, on a utilisé une branche. Mon beau fusil. Et on dirait que j'ai vu des affaires glitchées là, ou flickerées plutôt là. Quand je passe l'émulateur là. Moi, je pense pas que Mike sait c'est quoi un livre, par exemple. Pourquoi tu regardes Mike si tu veux parler à Ray? Je pense que les traducteurs ont fait une job poche et... Ok, vise-moi pas là. Ou plutôt les amis animateurs ont fait une job poche. Oh mon dieu, regardez-moi ce tronc d'arbre. Il est tellement bien texturé là, c'est génial. Je t'aime. C'est très convaincant. Même elle pense c'est ridicule. Ta gueule. Il tire pour aucune raison, là. Comment aller, réponds-moi, sinon. Moi, elle a pas raster. D'ailleurs, j'ai dit. Bien qu'on pouvait pas la faire animer. Qu'est-ce que tu vises là, sérieux, là, je comprends pas là. Excusez, encore les murs dans la gorge comme d'habitude. T'as pourquoi parler t'es entre guillemets? Je sais pas, mais je trouve que ça sent le viol. Puis oh my god, il a dit 3 points là, il a bougé la bouche pour ça. Oh my god. Il est génial, hein, Mike? Pourquoi c'est toujours moi qui me fais avoir? Parce que t'es nul, Ray. Moi, je pense qu'on pouvait goûter les personnages et ça. On a un badass idiot, une fille nerd, puis un loser. Comme dans un de ces B-movies. Là. Bon, ben ok, allons les chercher. Attends, tu pouvais pas me dire ça durant l'initiation? Bon ben, ok, allons. Ah ouais. Ah! Bon ben, ok, je savais pas ça, ça mais... pourrait être utile. Ouais, ça pourrait être utile. Bon ben, on a une meilleure arme que notre bâton, mais elle est plus courte, donc... je sais pas trop. Mais ouais, la lampe de poche peut allumer les objets. Mais bon, ok, anyway, bon ben... Allons sauvegarder, oui.
Ah oui, puis bon ben j'aime pas ça comment la musique elle stop pour une seconde, je sais pas pourquoi il commence à faire ça maintenant. Mais ok, ça c'était moi qui testais le jeu là. Ok. Puis c'est quoi ça? Attends, c'est pas un sac, ça, c'est une valise. Oh well. Mais bon, ok, yeah, let's go, pour de vrai, là. Bon, ben, avant d'expliquer des certaines affaires, allons jusqu'à dans la maison. Ben, les maniaques d'insectes, évidemment. Des boîtes, une boîte de conserve, c'est bon, ça. Bon, pis tiens, voilà une note, là, pis bon ben. Moi, ouais, ils sont éparpillés un peu partout dans l'île, pis ça me dit les récits de quelqu'un d'autre qui était là, là. Pis je pense que ces notes-là sont vieilles de dizaines d'années, là. Un peu surpris que la feuille de papier a survécu tout ce temps-là, là. Surtout à cause du raz de marée. Comme tu penserais que l'humidité serait assez pour la froisser, pis ça. Ou la rendre illisible, mais bon, là. Mais bon, anyway, ouais, ils sont un peu éparpillés, puis ouais, ça raconte un autre récit, là. Ben, ouais, un récit, ouais. Bon, ok, bon, ben, pendant que je vais chercher les caisses de bois, là, bon, ben. Oui, encore, j'espère que les contrôles vont pas me foirer, puis parce qu'à cause que je peux pas faire des coups forts, là. Puis en fait, mes contrôles sont un peu particuliers parce que. B est sur la gâchette, là, en arrière, en haut à gauche, et bouton A, c'est en pressant sur le stick à droite. C'est vraiment bizarre, mais c'est le plus fonctionnel, là, pour les contrôles du jeu, là. C'est le mieux que je puisse trouver, là. Et puis, oui, la carte est vraiment buggée, là, comme vous voyez, là. Comme, il monte. Rien du tout, parce que, par contre, vous pouvez voir à peine, mais des fois, tu peux voir comme le bout là, de la flèche, là, ou un des bouts de la flèche, là, comme, au moins, je peux savoir où que je vais, là, un peu, là. Et puis, non, c'est pas ça, là. Mais, ouais, on peut voir la carte, c'est au moins, là. Si je serais vraiment anal, là, je remplirais toutes les cases, mais. Non. Ok, me souvenais. Ah, bon, ben, tiens, voilà les oranges, là. Ok, bon, ben, hein, voilà un autre élément, un gameplay que l'initiation nous aurait dit. Bon, ben, on peut lancer des roches, ouais, ou cailloux. Bon, ouais. Mais ouais, c'est ça, presser sur A, mais dans cette visée-là, puis B te permet de, ouais, pouvoir. Yeah, c'était génial. Visé. Et puis, yeah, vous voyez, j'ai même pas bougé, mais que cette raison, un des lancers a réussi. Que cette raison, ça choisit aléatoirement, ça veut aller loin ou pas. Encore, j'espère que ça va pas me fourrer plus tard, mais bon. Mais ouais, je pense que c'est toutes les oranges, ouais. Ouais, regardez-moi cette belle orange-là, puis pourquoi elle est mieux texturée que le tronc d'arbre? What the hell? En tout cas, ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air bon en fait. Ah, délicieux même. Est-ce qu'il y a une date de péremption? Ouais, Ray, il dit des trucs idiots comme ça, là. Je crois qu'il me faudrait une serviette. Pourquoi? Quand tu manges, il faut un bavoir, c'est ça? Le dégueulasse. Et puis, bon ben encore, j'explique plein d'affaires, mais tiens, v'là des tas de roches là, que tu trouves un peu partout, là, il y a ce signe-là, puis tu ramasses des roches, oui. Yeah, tu es pas belle, cette roche-là. Et puis, tu apportes exactement 99 roches. Qui c'est qui apporterait autant de roches que ça dans ses poches? Mais bon, ah ouais, puis d'ailleurs, et tout, en mode first person, tu peux... Ouais, c'est hardcore. Et puis je pensais qu'il y avait un autre arbre à orange, mais apparemment qu'il n'y a pas, là. Parce que j'ai constaté. Mais bon, ok. Moi, je pense que j'ai
comme adresser un peu les défauts de gameplay que j'aurais, là, comme la carte pis ça, et puis, bon ben, moi, ouais, expliquer un peu l'histoire du jeu, bon ben. Il y a plein de monde qui ont pas aimé ce jeu-là, mais pour une quelconque raison, moi, j'aime bien, là. Parce que, bon ben, parce que je suis presque persuadé que ce jeu-là a été fait exprès pour être vraiment bizarre, parce que, bon ben, comme, ah non, c'est comme, je pense j'ai dit, en fait, c'est comme, ça ressemble vraiment à comme un B-movie, c'est comme, je pense que ce jeu était comme un peu une parodie de ça, ou un hommage, là. Comme, même la jaquette du jeu, là, ça démontre pas mal ça, c'est comme, je vais même, comme, vous montrer ça, là. Comme, regardez-moi cette gâchette-là, c'est, comme, ça crie comme un film cheap. Ouais, j'adore cette gâchette-là. Mais bon, moi, encore, il y a plein de monde qui ont haï ça, là. Parce que, bon ben, les arguments qu'ils disaient, c'était que, bon ben, les textures sont dégueulasses, là, ils disent. Bon ben, moi, c'est... Pis ouais, vous avez vu aussi les cracks, là, qui étaient modélisés séparément. Ouais, ça, c'était idiot, mais... Encore, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien ce jeu-là, étrangement, là, même si c'est pas... si bon que ça. Mais encore là, j'ai l'impression qu'ils ont fait comme ils étaient au courant de ça. C'était comme, oh hey, on sait pas comment programmer puis modéliser des affaires qui fait du bon sens. Ah, je sais comment on pourrait faire, c'est de le rendre un peu drôle. Comme, je sais pas, dans un peu dans cette même veine là, je me souviens, c'est comme Earth Defense Force, tu tues des gros insectes. Voyons, c'est tombé une coïncidence, c'est ce truc-là et tout là. Puis Deadly Premonition, qui sont aussi bizarres, mais encore, ils sont étrangement le fun. D'abord que je m'étais arrêté parce que cutscene. Mais en toute raison, j'aime bien ce jeu-là. Puis on a les premiers ennemis du jeu, des grosses bébêtes, là, qui réagissent envers la lumière, à ta lumière. Ouais, t'as vu, les brunes sont allées vers moi, là, donc, ouais... Pis je sais que cette zone-là fait laguer le jeu, qui sort raison, donc ouais là. Et puis ouais, tu peux écraser les jaunes, mais pas les brunes, puis je les tue encore pour une certaine raison. Bon ben, ils donnent des affaires violettes là, ben beau là. Ça fait violette là, ils te donneraient. Si tu ramasses un certain nombre, il va te faire débloquer D'ailleurs, ça pourra faire apparaître des padentifs là que tu dois trouver dans un certain point, là, ce qui. Il te le donne pas directement, c'est un peu bizarre, mais... Oh wow. Quel est bien fait, cette eau-là, hein? Il y a même un texture sim et tout, là. Et puis, on a des poissons zombies qui sont pas des insectes. Bon, ben, ouais, il y a pas seulement des insectes qu'on doit se battre, là. Et puis, oh mon dieu! Esquive-ray! Ça a peut-être sonné un peu fort, et puis, oui, condition bonus, ça sent-tu pas, là, comme survival horror, ça, hein? Condition bonus. Mais, moi, c'est pour ça que je faisais toutes ces affaires-là. Oh oui. Il y avait un insecte sur moi, mais faire la belle esquive, comme vous voyez là, ça me permet de les faire écraser. Il y a aussi un mode panique, là, mais j'espère pas le montrer parce que ils font pas mal de dégâts, surprenamment. Yeah, ok, là. Ah! Et en passant, t'es complètement invincible pendant que tu fais la roulade, là, ce qui est génial et utile. J'espère que j'ai pas besoin de tuer des bruns, là, comme des... damn it! J'espère que j'ai pas besoin de tuer les bruns, hein, comme j'essaye de dire. Hein. Non, pas mal sûr que je pouvais. Yeah, there we go. Ah! Yeah, ils font pas mal de dégâts, donc... allons-nous-en, là. Action Ray. Ouais, ok. Moi, comme je l'ai dit, ça serait sympa d'avoir les éclats violets, mais... En fait, je sais pas ce que je vais faire de ça, là. C'est comme je vais pas aller les chercher autant sur écran, puis y a foncé dans un mur.
Et j'ai oublié une caisse en bois quelque part. Où c'est que j'ai oublié une caisse en bois? Damn, il faut-tu que j'aille la chercher? Parce que, bon ben, oui, c'est divisé en niveau, mais tu peux revenir. Mais, ah, puis ouais, il y avait une option pour les ennemis que t'as tués, mais bon, là. Ok, puis bon ben, en fait, je vais plutôt sauvegarder le... Ou plutôt, hein, sauvegardons là. Whatever. Et puis, ouais, ça, trésor, t'as 18 saves, là. Ça pouvait pas être un chiffre rond, là, comme... bon ben, ça finirait avec 20, là, ça ferait bizarre, un espace vide, mais bon. Mais bon, ouais, nous voilà au bosquet, et puis, bon ben, moi, ouais, tu sais quoi, je voudrais bien revenir pour détruire cette caisse en bois-là, port sur écran, mais... bon ben, vous voyez, là, les... Les missions à faire et cette là. Ah, puis ouais, ça me donne pas l'option de sauvegarder. Ah, ouais. Mais moi, je pense que je vais faire ça hors écran, là, au moins montrer là, durant l'affaire. Bon, ben, me revoilà au camp. J'ai trouvé la dernière case. Elle doit être en arrière de cette maison-là. Là. Et comment j'ai fait pour manquer ça? Oh, bonus obtenu! Yeah. Et puis d'ailleurs et tout, j'ai essayé de tuer d'autres ennemis, puis voyons, j'ai rien que d'obtenu autant de d'affaires violettes que ça. Hein. Mais bon, hein, j'ai été en tuer, puis d'ailleurs et tout, j'ai remarqué, mais ma vie régénère très lentement, mais elle se régénère, donc c'est sympa. Mais bon, yeah. D'accord, je sais pas pourquoi je m'en fais autant pour ça, parce que... Comme, je sais pas si je vais faire un vrai let's play, mais... Encore, j'aime bien le jeu d'une... manière, comme, pas ironique, ni sarcastique, mais je passe un peu dans ce sens-là. C'est comme, je sais pas, là, je l'aime bien parce que c'est bizarre. Ouais, c'est ça, je sais pas, ça va vraiment être intéressant à... Comme, jouer, mais aussi comme à regarder. Donc, moi, ouais, c'est un peu ça le problème, mais... Je pense s'il y a de l'intérêt, c'est si ça existe, ou si je peux trouver de quoi drôle là, à dire là-dessus, bon ben, je pense que je vais continuer. J'ai toujours voulu un truc comme ça. J'ai toujours voulu des roches. Moi, si Riff a dit des affaires idiotes comme ça, bon ben, je pense que je vais continuer à y jouer. Mais bon, moi, hein, again, bon ben, je vais au moins montrer le bosquet, là, si je veux pas faire le let's play. Donc, moi, ouais. Anyway. Prochaine fois, bosquet. Bye.